Donne-nous, Seigneur, la paix, non pas celle qui vient du monde, mais la paix qui vient de toi. La paix, donne-nous, Seigneur, la paix, non pas celle qui vient du monde, mais la paix qui vient de tes prêtres, Seigneur, seront vêtus de sainteté, et tes fidèles chanteront pleins de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à célébrer son amour une fois de plus. Il est celui qui nous donne Jésus, son Fils, le vivant, le ressuscité. Et l'Église nous invite à faire mémoire ce matin de Timothée et Tite. Ces deux piliers qui ont proclamé la bonne nouvelle. Une façon pour nous rappeler, nous aussi, aujourd'hui, que Dieu renouvelle notre appel. Il renouvelle notre vocation de baptiser. Au début de cette rencontre avec le Seigneur, reconnaissons nos faiblesses. Présentons-nous devant sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Dieu qui a donné à Tite et à Timothée une vertu digne des apôtres, fait que soutenus par leurs prières, vivant avec justice et piété dans ce monde, nous parvenions au ciel, notre patrie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie que nous avons dans le Christ Jésus, à Timothée. Mon enfant bien-aimé, à toi la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui je rends un culte avec une conscience pure à la suite de mes ancêtres. Je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi dans mes prières, nuit et jour. Me rappelant tes larmes, j'ai un très vif désir de te revoir pour être rempli de joie. J'ai souvent de la foi sincère qui est en toi. C'était celle qui habitait d'abord Loïs, ta grand-mère, et d'Eunicie, ta mère. Et j'ai la conviction que c'est aussi la tienne. Voilà pourquoi je te le rappelle, ravive le don de l'Esprit de Dieu. Ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. Et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier, mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté, tremblant devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, mais dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons cette parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Jésus a choisi 72 autres disciples pour aller là où lui-même devait aller, pour qu'ils puissent lui préparer le chemin. En d'autres termes, nous voyons que Dieu demande de l'aide. Dieu se fait aider d'une certaine manière. Cela me faisait sourire un peu parce que des fois, nous pouvons penser que nous sommes capables de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et même tout. Mais Dieu, lui, il nous apprend l'humilité. Dieu nous apprend qu'il a besoin de nous, ses créatures. Il a besoin de nous pour continuer la mission. Mais avant toute chose, ce qu'il demande aux disciples, ce que Jésus demande aux disciples, c'est de prier. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. La première démarche des chrétiennes, des chrétiens, de tous ceux qui marchent à la suite de Jésus, c'est d'abord une démarche de confiance. Se retrouver devant le Seigneur tous les matins, au moment où on choisira, bien sûr, pour recevoir la mission de lui. C'est Dieu qui appelle tous les jours. Il y a beaucoup d'ouvriers nécessaires à la mission. Il en manque. Il manque de bras pour proclamer l'Évangile. Une proclamation de l'Évangile qui peut se faire de différentes manières, bien sûr. Les charismes sont divers. Les talents que Dieu a déposés en chacune, chacun de nous, sont différents. Dieu nous choisit avec ce que nous sommes. Il ne nous demande pas de choisir l'uniformité dans nos actions pastorales, pas du tout, mais plutôt de travailler pour qu'il y ait une unité joyeuse dans la diversité. Nous pouvons demander au Seigneur aujourd'hui la grâce de la fidélité, fidélité dans le service que nous accomplissons, ceci pour le bien de l'ensemble, pour le bien de la communauté.
Le Seigneur nous invite également à une grande humilité dans notre mission. Car dans cette mission, l'objectif, c'est d'abord d'annoncer un autre, de parler d'un autre et jamais de nous-mêmes. Annoncer que le règne de Dieu est tout proche. Nous ne parlons pas de nous, nous ne cherchons pas notre propre gloire dans nos actions pastorales. Nous cherchons la volonté de Dieu, nous cherchons la gloire de Dieu. Et pour l'annonce du règne de Dieu, on rencontrera certainement des difficultés, comme Timothée et Tite que nous fêtons aujourd'hui. Oui, dans le monde peut être distrait, le monde peut être même hostile. C'est pas facile, mais nous y allons avec confiance, en nous disant que nous n'avons pas toute la vérité. C'est Dieu qui accomplit ses merveilles, c'est Dieu qui fait tout. Dieu nous choisit avec nos fragilités, avec nos limites. Il peut y avoir des fois de la persécution à l'extérieur et aussi des fois de l'incompréhension ou bien certaines fois un peu de découragement à l'intérieur, dans nos communautés, dans ce que nous faisons, dans nos familles. Mais Jésus nous dit, n'ayez pas peur. Il a dit, je suis avec vous. Il y a quelque chose que Jésus a dit aux disciples, je termine avec ça, il a dit aux disciples, quand vous arrivez quelque part, dites paix à cette maison. Jésus apporte la paix. Et pour qu'il y ait vraiment cette paix, il faut avoir un esprit de discernement, capable de discerner, faire ce que Dieu nous demande de faire. Mais aussi pour avoir la paix, il faut chercher la réconciliation. Il faut chercher la justice. Il faut chercher le bien de toute personne autour de nous. Demandons à Jésus, lui qui nous choisit une fois de plus aujourd'hui pour nous envoyer la grâce de la confiance, la grâce de l'humilité. Demandons-lui son amour et sa paix. Amen. Cette eau se met en vain pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les offrandes déposées sur ton autel en l'honneur des saints Timothée et Tite. Et comme par ces mystères bienheureux, tu leur as donné la gloire du ciel, accorde-nous l'abondance de ton pardon. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté et qu'elle annonce à tous les humains l'Évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de vous. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car malgré nos fragilités, nos limites, tu nous choisis depuis notre baptême pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule famille, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec nos pasteurs, le pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Souviens-toi de nos amis, de nos parents, des personnes décédées depuis le début de la pandémie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur chacune et chacun d'entre nous. Sur Aline Lacroix, qui a des soucis de santé, la secrétaire de la communauté ici à Sainte-Béatrice. Pour toutes les personnes qui l'accompagnent, qui sont autour d'elle. Nous implorons ta bonté, ta tendresse, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Timothée et Tite, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons un seul et même Père, nous sommes des enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ. Prions comme lui-même nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, les difficultés de la vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Jésus a demandé aux apôtres, en arrivant dans une maison, de dire paix à cette maison, d'être des artisans, des artisanes de paix. Demandons au Seigneur la paix pour nous-mêmes, la paix pour le monde,
la paix pour les personnes en difficulté. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix de Jésus ressuscité soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus qui nous renouvelle dans notre vocation. Il est celui qui nous invite à l'humilité, à la confiance. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Achevons notre prière. Par cette communion à la table du ciel, renouvelle et multiplie en nous, Dieu Tout-Puissant, et en tous ceux qui célèbrent les saints Timothée et Tite, les énergies qui viennent d'en haut. Aide-nous à garder le don de la foi dans son intégrité et à suivre leurs pas sur le chemin du salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, un grand merci à Jonathan pour la partie technique. Merci à France pour la lecture. Alors, comme vous le savez, on reste unis dans la prière et nous prions spécialement pour Aline qui est malade. Alors, la communauté aussi ne se rassemble pas encore, même si on donne la possibilité d'être 10. 10, c'est peu. Alors, mais présentement, il y a possibilité d'appeler pour prendre rendez-vous. Si quelqu'un veut recevoir la communion ou bien veut parler à quelqu'un dans la communauté, veut se confesser, cela peut se faire. Alors, nous disons merci à toutes les personnes qui restent en solidarité, en union de cœur avec toute la communauté. Tenez bon. Le Seigneur soit avec vous. Et
et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Amen. Passez une bonne journée.